Salut les vilains, comment ça va? Moi ça va très bien et oui car j'ai une nouvelle bannière YouTube, je pense que vous l'avez remarqué, elle est magnifique. Donc très rapidement je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de la Edenia Team qui a fait cette bannière, elle est vraiment tip top, on peut les remercier, donc je vous invite à aller vous abonner. Elle sera spécialement dans la description de cette vidéo. Nous allons donc continuer notre aventure sur le Final Fantasy 2 de suite. Alors hop, je m'installe bien et c'est parti. Il y a un garde, alors attendez, j'imagine que si on fait ça, tout simplement, ça va s'ouvrir. Donc une grille de fer bloque la porte, tout simplement, enfin la sortie. Ouais. Quel est ce type? D'accord, donc il y a un hobbit qui arrive. Oh putain, ah mais on l'avait eu celui-là déjà. Il était pas dans la maison de Joseph? Non, je crois que c'était celui... Ouais, on l'avait sauvé. Et oui, on l'avait sauvé dans la mine, nous le dit. Donc là, il paye sa dette. No get out of there before they catch you. D'accord. Je crois qu'il nous dit de partir vite avant qu'il nous rattrape. Très bien, on va le suivre. Je crois que j'ai des... Oh putain, il nous a emmené vers un coffre. Il faut vite que je me soigne parce que là, j'imagine qu'on va croiser des ennemis quand même. Donc, hop, hop. Voilà, ça devrait suffire. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Super. Et un monstre, putain, pourquoi je l'ai suivi, sérieusement? Putain, c'était évident qu'il allait vers la sortie. Mais pas du tout, en fait. Et non, le mec, il se téléporte. Bon, je sais pas si on va réussir. Si on le tue avec des 300 de dégâts, je pense que oui. Voilà, là, on est bon. J'ai oublié qu'on avait la seule arme du jeu qui pouvait tuer des monstres à ce stade-là. On va prendre la porte, en fait il y en avait une. Et non. D'accord. Allez, on se fait agresser par des magiciens. Bon, ça va être tranquille, hein, je pense, cette petite évasion. Mais du coup, j'y pense, on n'a même pas récupéré la princesse. Hein. Mais je suis dégoûté aussi. Ils ont dit, ouais, il y a un tournoi pour récupérer la princesse. Je m'attendais à ce qu'on se fight contre des humains pour une fois. Enfin, qu'on voie des skins un petit peu comme nous. Mais pas du tout, on se bat contre un boss tout pourri et on se fait emprisonner. J'ai l'impression qu'ils ont eu une certaine flemme en eux. Parce que franchement, il y avait de quoi faire quoi. C'était un tournoi, mais non, non, c'était juste on combat un monstre dans une arène et c'est terminé. Voilà. C'est pour ça que ça m'a vraiment fait penser à Star Wars 2. C'est-à-dire les mecs qui se retrouvent enfermés dans l'arène et ils doivent combattre des sortes de monstres aliens. C'est sympa d'ailleurs, le deuxième Star Wars, c'est mon préféré. Je parle évidemment du Star Wars 2 et non du. Bah vraiment du deuxième Star Wars, parce que sinon le deuxième Star Wars, vous le savez, c'est le numéro 5. Oui, c'est bizarre. Hein. Pour ceux qui ne doivent pas connaître la saga, ils doivent être un petit peu perdus. On va pas comprendre. Parce que oui, il y a des gens qui n'ont pas vu Star Wars. Je l'ai appris il y a 2 semaines. J'étais assez choqué. Pour moi, Star Wars, t'étais obligé d'avoir vu limite tous les films. Au moins la deuxième trilogie, quoi. Bon. Donc là, ça fait dodo. Putain, ils sont... Oh, quoi? Ouais, non, mais là, faut arrêter de déconner, là. D'accord. Donc, il a endormi 2 de mes mecs. Ils ont stun 2 de mes mecs. Et voilà. Tout va bien. Bon, je pense que là on est mort complètement même. C'est n'importe quoi. Ils ont fumé leur coup là, attendez. Est-ce que j'ai quelque chose contre contre la transformation en pierre? Je crois même pas hein. Le pire c'est que ça, hors combat, ça va rester. Et ben on est dans la merde. On est dans la grosse merde. Putain, je lisais tous les trucs alors que pas besoin, il faut chercher directement les potions. Potions, non. Elixir, pas du tout. Ben voilà, ben on est mort. Voilà, voilà, voilà. C'est génial. J'espère qu'on est vraiment pas coincé sur le jeu parce que... En fait, si, carrément, parce que j'imagine que ces spectres-là, on va les croiser assez souvent. Et si à chaque fois qu'on les croise, ben on meurt... On va être un petit peu coincé, mais c'est ça qui me rend fou sur ce jeu. C'est quoi le concept en fait? C'est qu'on veut pas fuir de 1. De 2, on peut pas acheter des bons équipements. Parce qu'on n'a pas débloqué les villes où il y a des bons équipements. Et peut-être même qu'il n'y a pas de ville avec des bons équipements. Peut-être que Mithril, c'est vraiment le meilleur truc qu'on puisse acheter. C'est ça qui est dingue là.
Je comprends pas. Bon, du coup, il faut se retaper à cinématique. Cette fois, on va sauvegarder après la ciné, hein, parce que, bon, je sens qu'on va mourir beaucoup de fois et j'ai pas envie qu'on se la retape à chaque fois. Allez, vite. Fais ton truc de beau gosse, là, voilà. Putain, il l'envoie 4 cases plus loin, quoi. C'est bon, vas-y, libère-moi et ferme ta bouche un petit peu. Parfait. Du coup, là, on va se heal. Donc, les high potions sont là. Tac, 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 tac. Hop, hop. Voilà. Ensuite, oui, bah sauvegarder. Voilà. Allez, j'espère qu'on va s'en sortir. Bon, il faut éviter de prendre les portes, ça nous fait perdre du temps. Allez, certainement que si je suis le courant comme ça, attendez. La sortie, la sortie. Merde alors. Ah ah, ça sent la sortie ça. Ouais. Sans se faire aggro. Je pense qu'en fait, ouais, voilà, il y a un temps où on se fait pas aggro, c'est pour ça qu'il me dit dépêchez-vous. Il doit avoir une sorte de timer où on peut ne pas se faire aggro. Mais là, voilà, c'est mort. Il fait un slip, je sais pas quoi. Eh bien, bah, bien sûr, allez, tout le monde s'endort. Et il y en a qu'un qui se réveille sur les quatre. Ah, c'est abusé, ça. Oh là là, mais c'est quoi ce beans là? C'est complet. Mais il y a un problème. Il y a clairement un problème. Je suis désolé. C'est ridicule ce qui se passe. Bon bah voilà, on a perdu. Je pense qu'on va changer notre stratégie. de telle manière à ce que, en fait, on va les, leur équiper de boucliers cette fois. Best armor à faire. Best armor. Mais putain, t'es con ou quoi? Vas-y, mets-moi un bouclier. Je pense que les boucliers vont nous donner de la résistance à la magie. Alors attends. Bucker. Non, c'est de la merde. Du coup, bah, je vais lui donner le Ice Shield à lui, parce que c'est le plus important. Ensuite, équipement Maria. Il n'y a que la Werebuster qui tape avec Maria, donc on va te donner la Mithril Shield, voilà. De toute façon, voilà, ma technique, c'est qu'en fait, vu que dans tous les cas, ils tapent pas mes personnages, qu'on leur met des boucliers, quoi. Leurs armes, c'est de la merde, donc bon. Et encore un bouclier, voilà. Donc là, on devrait tenir logiquement face au sort. J'espère franchement que c'est ça, hein, parce que si c'est pas ça, bah c'est, on est mort, quoi. On est clairement mort. Allez, vite, faut se dépêcher. Putain, dépêche-toi. Faut pas qu'on se fasse aggro. Go, 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 go. Putain, on se fait aggro vraiment au même endroit. Hein. Des parasites. Oh, putain, et c'est les mêmes, en plus. Ils ont quasiment la même putain de gueule que dans Kiseiju, quoi. Remarquez qu'ils ont raté leur attaque, hein. Bon, en même temps, on les avait pas affrontés, ces monstres, avant, mais... Mais j'ai l'impression que le bouclier fait effet. Alors ils nous volent des points de mana. C'est ça, ils nous volent. Ouais, ah oui, oui, ils nous ont bien volé du mana en plus. Hein. D'accord. Bah du coup, il n'y a plus que Firion qui peut lancer des sorts. Alors que c'est clairement Firion qui n'a pas besoin de lancer de sorts pour faire des dégâts, quoi. Parce que c'est le seul qui a une bonne arme. Voilà, il fait du 582. Tranquillement. Non, franchement, il nous faut des équipements. Je dirais jamais assez. Il nous faut des équipements là. C'est pas possible. Je pense que si la prochaine ville, ou même pas, si je vois qu'ils veulent pas m'emmener à une nouvelle ville pour la suite des événements, je vais y aller moi-même. Hein. On va tester dans cet épisode, là, déjà si on arrive à s'enfuir, hein, parce que ça va être compliqué aussi. Si on arrive à s'enfuir, bah, on va essayer d'atteindre une nouvelle ville pour s'acheter des bonnes armes, parce que là, je suis désolé, mais c'est n'importe quoi, quoi. On tape du zéro. On tape du zéro, il n'y a aucune autre arme de disponible à l'achat pour l'instant. Donc ils ont juste mal codé leur truc, quoi. Ils ont mal calculé leur coût, tout simplement. Voilà, ils auraient dû faire plus de drop. Parce que le drop de l'épée trop forte là que j'ai eu, bah, voilà, il aurait fallu faire ça pour bah, au moins 4 fois, quoi. Que je leur équipe pas de doubles armes, mais qu'au moins je puisse leur mettre un corps à corps qui tape. C'est le minimum. Voilà, ils gagnent des niveaux au bouclier, c'est bien ça. Je pense que ça va vraiment nous aider. Il y a Hilda, qui est là, super. Putain, j'ai cru que j'allais pouvoir tourner directement, mais pas du tout. Bah allez, on va essayer de les tabasser. Oh putain, j'avais pas vu Gordon, il était en low HP, merde alors. Eh ouais, mais il a pas beaucoup de PV de base aussi. Ok, on se prend des blazes. Oh putain. Faut pas qu'il meure Gordon, hein.
Parce que je ne pourrais pas le ramener à la vie. Alors on va prendre du temps. Et il nous fait toujours les sorts. Mais vous vous rendez compte que ça là, ce groupe qu'on vient de croiser, c'était quand même le groupe final, hein, un petit peu comme le boss de la grotte de juste avant quoi. C'est n'importe quoi. Encore qu'on en croise un de temps en temps, je me dis c'est normal. La dernière fois dans la grotte ils étaient trois, mais là voilà ils sont trois. Comme si, bah, en fait tu tapais des boss comme ça occasionnellement, normal. Bon, je parlerai pas des îles giga, c'est complètement du foutage de gueule, c'est monstre, mais bon. Ouais, bon voilà, Gordon il crève. C'est triste pour lui. De toute façon, il ne savait pas grand chose, hein. À la limite, quelquefois, il tankait des auto-attaques et il mettait du zéro. Voilà, c'était génial. Mais ça fait chier quand même parce qu'il aurait pu soigner une fight et tout avec des potions. Mais qu'est-ce que vous voulez? Faudrait qu'il meure, lui. Voilà, c'est bien. Et ça serait bien que Marianne ne meure pas, elle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper avec les deux qui peuvent taper parce qu'ils ont une arme. Et toi, tu vas faire High Potion sur Maria. Voilà. Putain, j'ai eu peur, hein. J'ai eu très très peur. Ça n'a pas dû se sentir. Voilà, petite High Potion, c'est bon ça. Et là, on le finit. Putain, mais c'est trop triste les dégâts qu'on fait, quoi. Putain, mais regardez, Firion, mais on voit la différence, quoi. Il y a un mec qui a eu un drop, il fait du 40 fois plus de dégâts que les autres. C'est ridicule. C'est complètement ridicule. Et si on n'aurait pas eu cette arme, ben, on n'aurait pas pu avancer dans le jeu. Tout bonnement. Ouais, bah déjà on a plus d'high potion parce qu'on n'a pas pu en acheter. Ou surtout que j'ai oublié d'en acheter, mais bon. Et ça serait bien que si je libère Hilda, il me laisse tranquille après. Alors, ils sont que deux. Lui normalement je le one shot, voilà. 576, ça devrait suffire. Voilà, il meurt. Ok, ok, ok. Encore des niveaux de shield. Alors, donc là il y a une cage. Je sais pas qui y a dedans. Je peux libérer? Non. Oh putain, mais je sens que je vais même pas pouvoir libérer Hilda. Hein. Je le sens bien ce coup-là. Je pense qu'on va utiliser. Non, ça sert à rien d'essayer de la magie là. De toute façon, ils vont nous voler du mana. Donc, comme ça, ça le fait vite. Je pense que je vais utiliser mes sorts de soins parce que si je croise encore des parasites là, c'est con, je perds du mana. Alors que j'aurais pu utiliser pour soigner mes mates. Donc attendez, on va finir ce combat rapidement s'il vous plaît. Putain, ils font des dégâts de merde. C'est un truc de ouf. S'il vous plaît. Ne tapez pas Firion. Ne tapez surtout pas Firion. Ça craint quand même, Final Fantasy 2 depuis ces derniers temps là. On sent vraiment, comment dire, un manque d'attention des développeurs, quoi. Ils se sont pas impliqués, ils ont oublié pas mal d'éléments, ils ont avancé dans le jeu, et ils ont oublié... Oh, on a oublié de mettre des nouveaux magasins. Oh, c'est dommage, les joueurs ne pourront pas avancer dans le jeu. C'est pas grave, sortons notre jeu quand même. Et donc t'en chies comme une merde. Allez. On tue les deux derniers parasites. Hop. Et du coup, bah, on a plus de mana. Putain, j'en avais 40, quoi. J'aurais pu tellement full in mon équipe. Je pense que je peux faire au moins un sort soin, là. On va l'auto-soin, parce que... Alors, magie. Et non. Et non, et non. Alors, Princesse Hilda... Get you out of there. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous sortir d'ici. Ah, ça y est, là t'arrives à ouvrir la grille d'un coup. Hilda, est-ce que tu vas bien? Gordon, je ne pensais jamais te voir ici. Cool. Je sais, c'est une tapette, mais bon, quand même, t'aurais pu te sympa avec lui. Gordon, prends la princesse et va-t'en. Je peux venir avec vous, s'il vous plaît? Well, draw the guard attention, will you escape? Hein? Oh putain! Donc là, il nous remercie et il nous dit d'être prudent. Il va falloir qu'on divertisse les gardes, mais vous êtes sérieux? J'ai compris ça, moi.
Bon, déjà, on est plus que 3, mais en même temps, Gradon était mort, donc ça change pas grand chose. On va utiliser la dernière high potion sur, sur Ferion. Hein. Alors, attendez, la high potion. Attends, j'en ai plus? C'est pas possible, j'étais persuadé qu'il m'en restait une. Bah merde. Bah potion. Hein. Voilà. Très bien. Il faut que je trouve un moyen pour m'échapper rapidement de là. Je vais regarder la soluce parce que là, il faut vraiment qu'on économise nos pas. Prenez maintenant l'escalier pour sortir. Ils sont rigolos. Hein. Ils sont très rigolos. Donc ils me disent, vous avez libéré Hilda, maintenant prenez l'escalier pour sortir. Comme si l'escalier, je l'avais vu de mes yeux, tu sais. Donc bah, finalement, voilà, on va économiser aucun pas. Il va falloir qu'on cherche. Ça va être à la bonne franquette, comme on dit. Bon, même si je pense savoir où il est. J'aurais préféré qu'il m'indique très exactement, ça m'aurait rassuré. En tout cas, c'est la sortie, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on est à la sortie, là. On est sur le point de réussir. D'ailleurs, je pense qu'on va créer une deuxième sauvegarde, là, juste là, au cas où on échoue, pour pas qu'on se retape tout depuis la sortie de notre toll. Et au cas où, si c'est pas réalisable de sortir de la toll avec nos PV là, bah, j'aurai l'autre sauvegarde où on est full life, quoi. Comprenez la stratégie. Alors attendez. Là c'est bon, on a tué le dernier Parasite. On prend des niveaux, du shield, c'est super. Alors, on va save sur la deuxième. Voilà. Allez. Ah bah il est là l'escalier, putain. Eh oui, je l'avais vu de mes propres yeux. Sauf que j'avais pas regardé, c'était ça le problème. Alors on va tuer la... la fleur de la mort. La fleur mortelle plutôt. Attends, pourquoi il est mort, Guy, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait 300 PV, non? J'ai pas tout compris. Bon. On devrait s'en sortir, en toute logique. Là, ce qu'on va faire après, quand même, pour s'assurer un petit peu de notre réussite, on va utiliser de l'éther et se faire des sorts de soins. Ouais, même le ramener Gaï à la vie, ça a coûté cher en MP tout ça. Hein. Aïe, 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 s'il vous plaît, pas de mort. Alors, du coup, ouais, prends ça. Donc, item, éther, 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 où c'est, où est l'éther? Ça rase, j'avais droppé de l'éther là, attends. Devenu big glue ou quoi? Éther, 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 éther. Où es-tu? Je pense que je suis devenu big glue. Attends, mais what the fuck? J'avais de l'éther, arrêtez de vous foutre ma gueule là! Mais non! Il est où? Je l'avais déjà utilisé, mais non! Ou alors. Ou alors je l'avais drop à ma première tentative? Oh merde! Non! Oh non, 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 je sais pas comment. Je pense pas qu'on va survivre là. Ouh là là. Oui! Oh sa mère, oui. Savons. Savons la partie. Pourquoi elle est vide? Ah ouais, parce que d'accord, ça a descendu. Ok. Hop. Voilà. Très bien. Je pense que là, on sait plus aggro là. Là, on sait plus aggro là. Là, on est bon. Y'a plus rien ici. Super! Par contre là du coup on est à l'extérieur et on est un peu dans la caca. On est un peu dans la caca complète là. Oh putain ça va être trop chaud. Ça va être trop trop chaud. D'ailleurs je vais voir ce qu'il faut faire après être sorti quand même. Ok. Donc là il faut retourner à Altaïr. Très bien. Ah oui parce que Gordon a ramené la princesse Altaïr. Est-ce que nous allons réussir à atteindre Altaïr? C'est ça le truc en fait. Si je fais ça, tac, tac. Je pense que le plus rapide, ça serait d'abandonner mon bateau là-bas. Ça serait le moins risqué. D'accord, je vois ce que je vais faire. Putain, s'il vous plaît, pas de mort. Oh non, déjà il y a une chimera, quoi. Putain.
Allez, pas de dégâts. Stop. Allez, vite. 365 dans ton huc. Meurs. Yes. Allez, on tue la chimère aussi. Oh là là, ça fait trop mal. Non. Voilà, avec 87 PV et 115, on est mort. En plus, il tue pas. Tape avant, Firion. Mais tape putain d'avant. Non, 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 non. Putain, regardez nos PV, quoi. 50 et 50 PV. Putain. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Le bateau. Le bateau. Le bateau. Yes, vite, on va vite, on va vite. Alors, attends. Faut que j'abandonne le bateau là où il y a les ennemis qui nous font du 1 de dégâts. Alors, on va faire le tour comme ça. S'il vous plaît. Pas d'aggro, pas d'aggro, pas d'aggro, pas d'aggro, pas d'aggro, pas d'aggro, pas d'aggro. Pas d'aggro, j'ai dit. Putain, ils vont nous péter la gueule, c'est mort. Non, eux, ils nous défoncent. Ouf, ça rate. Ça rate, ça rate, ça rate. Il meurt. Il meurt lui aussi, s'il vous plaît. Oui. Ah oui, 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 oui. Moi, je dis oui. Je dis oui à la vie. Allez. Allez. Vas-y, on n'est pas loin, là. Putain, si, on est loin. Ouais, il pourrait pas aller à 300 km/h le bateau. Il est presque. On y est presque. Là, on devrait se faire agresser par des monstres beaucoup moins forts. On peut tenir. Il n'y a pas d'aggro encore, la chance. Oh, là, si je m'arrête là, c'est des monstres de merde qui m'agressent. Yes, ça y est, les mecs, on a réussi. Ça y est, on a réussi. Oh là là. La joie. Putain, je pensais qu'on allait vraiment galérer comme des merdes. Mais regardez, notre vie est vraiment sur... voilà, sur le fil du rasoir, comme on dit. On a géré, là. Maintenant, on va se payer l'auberge instantanément. On va même sauvegarder et tout. On a été bon, les gars. On a été bon. Je pense que je vais même sauvegarder, là. Tellement que je suis une sorte de peureux paranoïaque. Que je me dis, imagine l'ordi s'éteint, coupure de courant ou un truc comme ça. C'est déjà arrivé, en plus. Donc, on va sauvegarder. Voilà, sur la deuxième. Voilà. Quand on sort de situation critique comme ça, ouais, vaut mieux sauvegarder. Là, on arrive à la ville. Et yes. Donc, déjà, on va ramener Guy à la vie. Ça, c'est la base. Ouh, j'ai des chutes de FPS, là. J'ai des sales chutes de FPS. Wow, 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 wow. Ouais, du calme. Qu'est-ce qui se passe? Je suis à 40 FPS alors que normalement, je suis à 60, là. C'est pas normal, ça. Attends. Mon PC, vas-tu bien? Survie. Tiens le coup, PC. C'est bizarre ça, que je sois à 40. Là, je suis à 44. 40... Bon, ça, on va essayer de tenir. Hein. Je pense que c'est cette ville qui fait bug. Ça va être la ville. Ouais, c'est le. C'est le thème sonore qui déconne, putain. Puis payons l'auberge et cassons-nous d'ici. Allez hop. Ouais, faut vraiment que je fasse quelque chose pour ce virus informatique, quoi, parce que, putain, j'ai quand même un i8, le PC, c'est un i8, donc s'il fait pas tourner Final Fantasy 2 à 60 FPS 24h sur 24, c'est qu'il y a un problème, quoi. Faut vraiment qu'on nettoie ce putain de disque. Allez, on sort de la ville, et maintenant, on peut même sauvegarder sur la première, voilà. Tac, et on va delete la deuxième. Je suis maniaque, hein, je suis maniaque, donc je fais ça, voilà, hop. Parfait. Allez, on y va, là, on retourne à 60 FPS. C'était la musique, et il n'aimait pas trop cette musique, apparemment, mon PC. Allez, on tabasse, 656, tout va bien. Ça continue, hop. Voilà, du coup, on va augmenter nos boubous, ça c'est pas mal. On va essayer aussi d'en augmenter nos sorts, donc lui, c'est le bizarre qui l'augmente. Toi, c'est fire. Et toi, c'est rien du tout. Regardez, il a 15 MP, quoi. Laisse tomber, c'est bon, j'ai même plus envie d'augmenter ta magie. Voilà, donc là, ça crève. Je m'attendais à plus de dégâts, quand même, parce que c'était des gobelins. Ils étaient 3, ils étaient pas non plus 17, là. Hop. Bon. Bizarre. Hop, et corps à corps, corps à corps. Franchement, tu vois un truc comme ça, tu te dis pourquoi tu balances pas l'iceberg directement sur la gueule des gobelins, quoi. Il commence par une petite grêle accompagnée de poudreuse et d'un coup, boum. Mange-toi ça dans ton cul, mon gars. Alors attends, vas-y, on va le refaire.
Putain, ça fait bizarre quand même d'avoir bien plus, bon quand même pas bien plus, mais plus de 1000 PV. C'est... Ouais, vu que dans Final Fantasy 1, ça paraissait vraiment être le maximum, les 999, là. Là, on se sent puissant quand même. Et on va utiliser le bateau volant. Parce que je suis un fainéant. Alors, pub. Salut Cid, toi, je te paye, je veux aller à Altaïr. Altaïr. Voilà, en plus on est ultra méga riche. Faut vraiment que je commence à dépenser cet argent là. Je demande que ça. Oh merde, je suis au mauvais endroit. Bon, bizarre. Je comprends pas pourquoi on se fait agresser même par ces petits monstres. Parce qu'une fois qu'on est en combat, ils fuient quoi. Hop. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a un système de bestiaire dans le jeu. Donc au cas où, si t'as pas croisé des monstres, il faut quand même que tu puisses te faire agresser. Pour ceux qui veulent finir les trucs à 450%. Parce que franchement... que ce soit dans Final Fantasy ou dans Dragon Quest, j'ai jamais fait attention au bestiaire. Si, dans un Dragon Quest, je l'ai tellement aimé que j'ai fait attention au bestiaire, c'était le Dragon Quest 9, je crois. Ils l'avaient ressorti sur DS, on pouvait créer nos propres personnages et tout, c'était trop bien. Je l'avais vraiment kiffé celui-là. Oui, donc il faut aller voir Hilda. Hilda, pas ici. Ah, il n'y a plus personne. Ils sont certainement allés la voir, non? Quoi? Attends, what the fuck? Ils sont tous allés dans sa chambre? Ils font une partouze? Non. Qu'est-ce qui se passe ici? What the hell? D'accord. Donc tout va bien? Là il y a encore les papis, je parie. Ouais, les papis ils bougent pas eux. Il peut se passer n'importe quoi. Les papis seront là. Putain, il y a toute la rébellion qui a disparu. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, Solus, parce qu'ils m'ont dit de retourner à Altaïr quand même. Je suis censé apprendre que les rebelles sont en route vers la ville de Fynn et qu'ils ont dressé un camp non loin de là. D'accord, bah je suis censé l'apprendre de qui? Parce qu'il y a personne. Ah lui, bah oui, lui. Salut! L'armée rebelle s'est soulevée. Notre premier mouvement... et de reprendre le château de Fynn. Le prince Gordon et la princesse Hilda ont pitché en gros le camp à côté de Fynn. Vous devez vous rendre à la tête de l'armée immédiatement en gros. Votre force est très utile à la cause. Ok. Bien, bah, c'est ce que je comptais faire. Super, bah ils sont partis à l'attaque. Alors qu'ils étaient que 6. Bah oui, avec 6 mecs, hein, je crois, qui tournaient autour des tables dans la rébellion. C'était la grosse rébellion, tu vois. Donc je pense que c'est un petit peu l'attaque désespérée. Surtout qu'on a, pu tâter un petit peu des gardes qu'il y avait à Fynn. Ils nous ont bien pété la gueule. Hein. Ah, on avait aucune chance. Donc là, je leur fais pas trop confiance. À la limite, j'aurais fait comme je pensais faire, c'est-à-dire aller dans une autre ville pour nous acheter des plus grosses armes. Mais là, il se passe un truc vraiment intéressant, quoi. C'est pas genre va à tel endroit ultra méga chiant à l'autre bout de la map. Là, c'est tout proche, on voit le camp. Et il va y avoir de la baston. Salut! Voilà, ils sont quasi 6, quoi. Ils sont 8. Eh bah, dis donc, on va aller très loin. Je peux même pas rentrer dans les tentes. Bien. Alors, Firion, Maria, Guy! I owe you my life. Je vous dois la vie, ouais. Bah oui, ça fait un peu 20 fois que tu nous dois la vie, mais bon. D'ailleurs, elle se fait tout le temps attraper, elle est un peu chiante. It would appear you also deserve credit for destroying the Dreadnought. Elle nous avait pas donné du crédit, en gros, quand on avait détruit le Dreadnought. Enfin, elle nous avait pas récompensé, c'est ce que j'ai compris. I don't know I can ever thank you. Ok, elle sait pas comment elle pourrait nous remercier maintenant. Ben, je peux lui demander des trucs apparemment. Qu'est-ce que je pourrais lui demander? Wyvern, Dragon, Goddess Bell, Sunfire, mais donne-moi quelque chose! Attends. Airship? Dreadnought? Non? Mithril? White Rose? Ah, vous inquiétez pas, je suis la vraie princesse. What's this? I could swear you were blushing. Quoi?
Bon bah je lui ai tout dit hein. Bah, super. On va parler à Gordon. You're to be the heart of our attack. Vous serez le cœur de notre attaque. Ok, while we hold the bulk of the Imperial Force. Pas compris. Ça doit être son plan. Bon, c'est quoi, je vais y aller à Solus, hein, ça sera mieux expliqué. J'espère. Ok. Et maintenant qu'on leur a parlé, il faut aller au château de Finn, tout simplement. En fait, je crois que je suis le seul à attaquer. Les autres, ils sont là. Ils ont dû se pisser dessus au dernier moment et ils ont dit Fion, Maria Guy, allez-y. vous êtes sérieux? Ouais, ouais, allez. Bon, d'accord, très bien. Donc, on va attaquer Finn. Même si je le sens très mal. C'est pour ça que j'ai sauvegardé instantanément. C'était les réflexes. Gros réflexe potentiel de gamer. Donc, c'est parti. Bah on peut même passer par l'eau, pourquoi je fais le tour? Hop, à l'attaque. Putain, je suis tellement pas confiant. Bonjour, je viens me battre. Oh, traître. You don't want to be a king, blablabla. Bon, en gros, on peut pas s'en tirer en territoire ennemi sans elle. Et elle nous rejoint. Et elle doit être aussi nulle que quand on l'a laissée, j'imagine. Bon, j'ai compris qu'elle a rejoint la partie, laissez-moi passer. Voilà. Putain, en plus. Et en plus, elle s'est même pas soignée, quoi. Regardez, elle est encore avec les 236 PV que quand je l'ai laissé. Putain, c'est abusé. D'ailleurs, je me suis même pas acheté de potion. J'ai fait n'importe quoi. Bon, tu sais quoi, tu vas la soigner. Oh putain, non, la soigner, pas aller. Putain, j'en ai marre que quand je fais la flèche du haut, ça veut soigner tout le monde. Quand je fais la flèche du haut, c'est pour aller directement en bas. Oh merde. Putain, se faire agresser par des mecs trop forts. Et elle, elle est trop nulle. Bon, finalement, je sens que ça va être très chiant comme passage, donc je pense que qu'on va faire la tentative pour s'acheter des meilleures armes, en fait, hein, finalement. On va essayer d'aller dans le petit village, vous savez, qui est à côté de Finn. Se soigner, acheter des potions. Je sais pas s'il y a des vendeurs de potions là-bas, ça serait cool qu'il y en ait. Et on va se lancer dans l'aventure pour aller dans une nouvelle ville, parce que là, c'est plus possible, quoi, c'est injouable. Si seulement on pouvait avoir pour chacun des personnages au moins une arme comme celle de Firion, on torcherait les groupes super rapidement quoi. Là ça va être juste des pertes de temps, de vie et tout ce que vous voulez. Donc non, on va vite partir, regardez on a déjà plus de life, c'est ridicule. On va se barrer. Vite. Putain non. Tuez-moi ce spectre. Oh non. Oh non, pas le dodo. Pas le dodo. Super, Firion ne dort pas. Et te one shot. Voilà. Allez, on sort du château. Du coup, allez, on va au petit village. Ce stuff. Hop. Hop là. Donc. Ça, c'est l'auberge. On se la paye. Salut, toi. Allez, hop. Donc on essaie d'atteindre la ville, que la tentative soit réussie ou non, normalement l'épisode s'arrêtera là. Je pense qu'on a déjà fait même très long là. Je sais pas, non je sais pas à quelle heure j'ai commencé. Je crois que j'ai commencé tard d'habitude, plus tard que d'habitude, parce que oui normalement j'ai une heure pour tourner mes vidéos. Je me donne des heures et oui, je suis un planning. Donc attends, voilà. Du coup, salut, c'est de la merde ce que tu vends. Salut, alors, high potion. Un max, voilà. Les potions aussi. Parfait. Et on se tire de là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la carte de la Solus. Pour voir un petit peu les noms des villes. Savoir où est-ce qu'ils pourraient vendre des trucs. Alors, la carte, voyons voir. Ce numéro 16 s'appelle comment? Cave de Mysidia. Donc déjà, ils vendent rien dans une cave, la base. 14, Mysidia. Donc ça, on peut peut-être y aller. 18, c'est quoi? Tour Mysidia. Mais tout s'appelle Mysidia dans ce monde. 17, c'est quoi? Léviathan, d'accord. Donc je pense qu'on va pas aller là-bas. En fait, on a presque visité toutes les villes du jeu. 13, bah, c'était l'arène. C'était où il y avait le Dreadnought, ça. Ça, le 20, c'est quoi ça, le 20? Château de Palamessia. Ah oui, mais on peut pas accéder, il est au milieu de la montagne. Bah, c'est Mysidia ou rien.
On va essayer d'aller à Mycidia. Mais on a vraiment fait quasi toutes les villes du jeu, quoi. Putain, attends, 15, c'est quoi 15? Cave du masque noir, d'accord. Laisse tomber. Bon, on va essayer d'aller à Mycidia. C'est en bas à gauche, hein. C'est là où il y avait les ballons rouges, donc on va tester. Il nous faut absolument du nouveau stuff, parce que, franchement, on est d'accord que la dernière arme qu'on puisse acheter nous fait du zéro sur les ennemis, et c'est un peu complètement ridicule. Voilà. Au passage, ça va permettre de remettre Layla à niveau. Parce qu'elle a quand même 526 PV, je veux pas dire, mais avec ses pauvres 526 PV alors que nous on a 1200 et qu'on galère déjà, elle va pas nous servir à grand chose, quoi. Donc on va descendre et franchement, espérons survivre à cette aventure, les amis. Voilà, déjà, on croise des monstres un peu plus forts. Est-ce qu'il meurt? Il meurt pas, d'accord. Bah, je pense que c'est mauvais, ça. C'est très mauvais signe. Qu'ils se prennent du 500 et qu'ils crèvent pas. Ah voilà, c'était pas loin, c'était pas loin, donc peut-être qu'on peut tenir grâce à Firion. C'est vraiment Firion qui fait tout, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, ça peut tuer plein de mes mecs genre d'un coup? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, ils sont beaucoup moins forts. J'ai eu peur, je pensais que au bout d'un moment ils allaient mourir comme ça direct. Attends, mais ça va rester, ça? Je dis pas que... Putain, ça reste. Et comment je fais pour... soigner ça? Ça se soigne comment, s'il vous plaît? Attends. Non. Non. Je dois avoir un truc. Obligé. Obligé, j'ai le truc pour soigner. Je suis sûr de l'avoir drop. J'ai déjà entendu parler de ça. Non, bah non. Sauf que... Hé hé! Ezuna! Quoi? 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 Ben... Soigne! Pourquoi? Oh, putain, c'est ridicule. C'est ridicule! Ah bah voici les... bombes qui nous avaient juste pété la gueule la dernière fois. Et on met du 23 de dégâts, très bien! Très 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 bien. Je vois. Voilà, je pense qu'on est un peu mort. Et c'est complètement cheaté ce truc ours là. Voilà quoi. Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ils ont pété un câble pareil. Vas-y, on va tester un fire. Toi tu tapes et toi on va tester un thunder comme ça. Alors combien de dégâts ça te fait un fire? Je pense pas beaucoup parce que t'es du feu. Ah si. D'accord, la logique. Là, je te balance de la glace, comme ça fait de dégâts. 101, d'accord. Donc le feu craint le feu, mais pas la glace, très bien. Et me dites pas que... le feu, ça fait fondre la glace. Oui, d'accord, sauf que quand tu fais fondre la glace, ça donne quoi? De l'eau, et l'eau, ça éteint le feu. Donc voilà, tout simplement. C'est débile, mais bon. Enfin bref, allez, tu vas réutiliser ton bizarre, parce que de toute façon, tu fais plus de dégâts comme ça. Toi, ton fire... attaque et toi Thunder, voilà. J'ai même pas vu combien ça a fait déjà Thunder, j'ai oublié. Ah, ah ouais. D'accord, pas mal. 108, voilà, de la merde quoi. Et là ça one shot pas du tout. Putain, ça aurait pu one shot quand même. Oh là là, les dégâts. Oh là là. Ce focus bon. Bizarre sur lui, comme ça il meurt. Fire sur lui. Et Thunder, tu one shot celui-là. Vraiment, celui-là il crève. Même pas, je suis dégoûté. Lui oui. Voilà. Et celui-là non. Oh là là, non, Layla, putain, c'était la seule qui pouvait one-shot ces trucs. Et il s'autodétruit. Oh, mais c'est de la merde. Vous attendez tous à du gros dégâts, ils font plus au corps à corps, quoi. On peut peut-être réussir à atteindre la ville. Vraiment, on peut, hein. Vous allez voir, ça va être chaud, mais... ce n'est pas impossible. Donc... magie, life, hop, hop,
Pas toi, c'est Firion qui va se soigner parce que ses sorts sont useless apparemment pour l'instant. Hop, 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 hop. Voilà. Allez. Et du coup, ça a soigné la curse de Guy. Ouais, on y est presque, on y est presque. Oh là là. Putain. Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que c'est pas trop fort. Destin Thunder là. Bon, ils font pas trop de dégâts. On leur fait pas de dégâts non plus. Ok, ça va partir sur du sort cette histoire. Alors Thunder, s'il vous plaît, que ça fasse son taf le Thunder encore une fois. 198, c'est pas assez. C'est pas assez du tout. Bizarre. Fire. Vas-y toi aussi tu vas faire des sorts. Tout le monde fait des sorts là. Allez, bizarre, ça marche, s'il vous plaît. Putain! Si proche de but! On est à quelques pas de la ville là. Faut pas qu'on crève dans ce fight. Ah non, mais ils sont trop forts. Ils sont trop forts, c'est lui, ils craignent rien. Y'a que Thunder qui fait des dégâts limite potables. Et même mon épée Wing, elle fait plus rien. Alors attends, magie cure sur toi-même. Toi, magie cure sur elle là. Et Thunder. Hein. Alors j'aimerais qu'il meure sur ce coup-là. Ça me rassurerait un peu. Sinon, c'est qu'il a beaucoup trop de vie quoi. Ah super. On peut le faire. On peut le faire encore. Allez, cure de niveau 5. Hop. On se remet un peu d'aplomb. Et non, la Air Wing fait que du 24 de dégâts. Hein. Elle fait que du 24 de dégâts, c'est rien du tout. C'est juste carrément rien du tout. Donc, bizarre. Hein. On repart sur du spell. Toi, tu vas soigner Maria. Et toi, tu vas faire ton Thunder. C'est un dernier espoir, parce que si c'est vraiment une ville, imaginez, c'est pas une ville, là, je deviens fou. Je deviens fou si on y arrive et que c'était même pas une ville. Mais si c'en est une, on rentre, on paye l'auberge. Et là, on devrait normalement tomber sur du stuff. Oh, oh là là. Et on pourrait faire tout tranquillement. Ça serait juste génial. Allez, allez, on peut le faire, on peut le faire. Pacure, Blizzard sur lui. Fire, magie, cure sur... sur qui là? Bah sur toi. Non, sur Maria. Pardon. Sur Maria, j'avais pas vu que c'est vrai qu'elle avait 1200 PV maintenant. Magie, Thunder, allez. Allez, allez là, allez. On peut le faire. C'est par petits coups, mais... Ça, par contre, si on recroise le même groupe juste après... Oh, c'est la mort psychologique. Allez. Allez. Il faut qu'il crève, ce monsieur, le loup, là. D'ailleurs, Leila va bientôt plus pouvoir lancer de sort. Et ça va être critique. Firion non plus, il peut plus lancer de sort après celui-là. Et toi, tu peux déjà plus lancer de sort, putain. Allez. Il crève, là. Il crève toujours pas. Mais crève. C'est pas possible, là, il faut que tu meurs. Là, il meurt sur ce coup-là, rassurez-moi. Là, il meurt, là, il meurt. Voilà, parfait, comme ça, le Thunder, il va entamer un autre. Voilà, 231. Bon, du coup, tu vas faire du Thunder, quand même, voilà. Toi, tu vas faire... pas du Blizzard, qu'est-ce que je fais? Fire. Toi, tu tapes. Toi, bah tu tapes aussi. Hein. Tant pis, on abandonne des personnages, on s'en fout. 0-0. Ok, cool. Très utile. Allez, 111. Là, ça peut aller vite. Là, ça peut aller vite. Thunder, il était déjà niveau 2. Ça fait que du 22. D'accord, super. Même gars, il fait plus de dégâts. Vas-y, on continue, on s'en bat les couilles. Magie, fire, attaque, attaque. Oh putain. Par contre, si Maria meurt là, ça va être très problématique.
Allez. Allez. Mais tuez-moi ça. Bon, toi tu vas taper parce que tu peux peut-être faire des bons dégâts. Toi tu vas faire du fire. Toi je te fais pas confiance. Donc item. Life potion, life potion. Ils ont dû se remettre en haut. Parce qu'il y avait de la place, voilà. High potion sur Maria. Et toi pareil, high potion sur Maria. Allez. Oh putain, j'ai eu très peur encore une fois. Alors les gars sont vraiment ultra random sur ce jeu. Que ce soit les héros ou les méchants. On sait jamais à quoi s'attendre. On peut pas calculer son coup en fait. Ce qui est d'ailleurs bizarre pour un RPG qu'on ne puisse pas calculer son coup. Alors, hop, encore fire, hop, item, on va essayer de te sauver quand même, toi. Allez, faut que ça passe. Sinon, ça va passer, là. Et en fait, je suis déjà dans la suite des événements. Est-ce qu'on va recroiser le même groupe ultra compliqué ? J'espère vraiment pas. Faut vraiment que là on y arrive d'une traite à la ville. J'aurais dû acheter de l'éther. Parce que l'éther du coup nous aurait permis d'avancer facilement. Peut-être que la prochaine fois on refera une tentative et justement on achètera de l'éther. Enfin ça c'est dans la supposition qu'on ne réussisse pas hein. Parce qu'il faut y croire les amis, il faut y croire. Bon par contre il met du temps à crever, c'est chiant là. S'il vous plaît, il faut qu'il meure, voilà c'est bien ça. Allez. On prend des niveaux en plus. Plein 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 de niveaux. Waouh. Waouh. Ok. Allez, item. On se full life. Hop. Je compte même pas les potions que j'utilise, je m'en bats les steaks, j'ai pas le time. Alors. On y est là, tout droit, 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 tout droit. Là, je suis en train de prendre cher parce que il y a un mec qui a empoisonné. Tout droit, tout droit, tout droit. Mais qui est encore empoisonné là? Toi? Toi? Voilà, c'était toi. Allez, allez, on le voit. Oh putain, non, sa mère, c'est pas une ville. Oh non, sa race. Mais du coup, on peut pas acheter de bonnes armes. Voilà, sur tout le jeu, il est impossible d'acheter de bonnes armes. C'est génial! On va quand même rentrer. Hein. On va quand même rentrer dedans. J'aurais dû taper sur internet, c'est quoi Missidia, putain. C'est quoi, je vais voir ce que c'est. On se le dise maintenant. Missidia. Oh! Ah oui! C'est une ville. Oh, oui, 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 oui. Faut juste pas qu'on crève contre ces trucs. On les gère ou pas? J'ai même pas vu si on leur a fait des dégâts ou pas. Oh, s'il vous plaît. Il y a juste ces globules noirs, là. Oh, yes. Oh, yes, la joie. J'espère vraiment qu'ils vendent des bonnes armes et des bons équipements. Ça nous sauverait tout. Toute la partie. Oh, oui. Oh, oui, la joie. Oh, oui. Allez, allez, c'est ce que je voulais depuis si longtemps. Vous ne pouvez pas me le refuser. Ouais, il faut plus qu'on soit aggro. On a plus de MP. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, oui, the champion, my friend. Vends-moi des trucs trop forts. Alors. Déjà ça, on en achète deux. Voilà. Par contre, ils vendent pas de... Ils ne vendent pas d'épée, c'est pas normal ça. Pourquoi vous vendez pas d'épée? Bon, c'est pas grave, parce que finalement, de toute façon, il a l'épée. À la limite... Oh là là, super. Oh. Yes, 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 yes. Putain, oui, 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 oui. Je suis trop content là. Je pense que ça se ressent. On va payer l'auberge vite fait. Oh là là, tellement parfait là. Donc on va se stuff. Et pour le prochain, on pourra attaquer Finn en étant sûr de soi, avec des bons équipements. Ah, ça, c'est cool, ça. Putain, oui.
Donc on va s'équiper après pour voir combien... combien on va augmenter nos compétences quand même. On va faire tout d'un coup. Alors, du coup, on a acheté. Maintenant, on va tester les boubous. Voir les boubous, qu'est-ce qu'ils ont. Alors... ok, donc ça c'est mieux pour tout le monde. Forcément, tout est mieux pour tout le monde. Donc ça, il nous en faut 4. On va déjà en acheter 3 pour nos persos main. Parce que je pense qu'il va me manquer de l'argent là. Ah non, peut-être même pas. On était vraiment riches. Et je peux me repayer encore une fois tout. Ok. Parfait. Parfait, parfait, parfait. C'est parti les amis, attention. Équipement. Optimal. Optimal. Attends, parce que non, 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 mon gars, tu vas mettre... C'est ça le meilleur, hein. Ouais, c'est Power Staff, yes. Enfin, je crois que c'est ça. C'est ça qu'on a acheté, hein. C'était le Power Staff. Et oui, de toute façon, ça te défonce où? Bah oui. Bah oui. Ah, par contre, le Mitrila, il m'y reste. Ah oui, parce qu'il vendait pas de casse. Ok. Optimal. Tu te remets une autre Ogre Killer, mon gars. Tu fais pas le fou. Voilà. Et l'autre, Layla. Optimal. Équipe. On va te mettre un bouclier. Voilà. Comme ça. Oh là là, génial. Génial, génial, génial. Juste ce que je fais avant de terminer l'épisode, c'est de soigner la curse là. Voilà, ça. On s'en prend 11, hein. Ça coûte rien du tout. Voilà. Yes. Item. Donc ça c'est mis où? Ça c'est mis où? Ça a dû se mettre à la fin, non? Cross, voilà. Hop, hop. Et ben voilà les amis, on a réussi notre mission, récupérer du bon stuff. C'était chaud, hein, j'y croyais pas du tout en fait, mais on a vraiment réussi et c'est tant mieux. Et là, on va pouvoir gérer pour la suite. J'espère que vous avez passé en tout cas un bon moment en ma compagnie sur cet épisode Final Fantasy 2. Et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, tout le monde. Tchuss! Et à la prochaine!